C'est chez BH Cosmetics. J'ai eu une drôle d'affaire là, il y a comme... Je veux être enceinte moi aussi. Un appartement. Mais je suis tellement tout le temps de mauvaise job à mes mains. Bon matin, je me prêtais à partir pour mon rendez-vous. J'ai un rendez-vous pour un changement d'huile ce matin, fait que je me dirige là. J'étais censée me lever vraiment tôt, puis finalement j'ai pesé sur... snooze. Je vais tenir mon rendez-vous, fait que ça a pris comme 20 minutes, je suis vraiment contente, ça a été super rapide. J'espère que vous avez passé une super belle fin de semaine. On a eu notre premier photoshoot de femme enceinte, ça compte aller aux pommes hier, mais pas pour aller aux pommes, vraiment juste pour prendre des photos. Je suis tellement contente, c'est trop cute, je veux être enceinte moi aussi. Mais non, pas là, là, mais j'ai hâte, j'ai vraiment hâte d'avoir, d'avoir un enfant, je sais pas pourquoi, ces temps-ci j'ai fait un baby fever. Puis c'est ça, fait que ça a vraiment vraiment bien été. On est allé au verger du flanc nord, puis on a vraiment... Je me dirige vers la maison, fait que je vais aller envoyer des courriels et puis je commence officiellement mon étude d'examen qui s'en vient. Mon premier est en fin de semaine, fait que je vais essayer de planifier mes affaires, savoir qu'est-ce que j'étudie tel jour et tout pour vraiment être à mon affaire. J'ai quand même avancé une bonne partie de mon étude, je suis vraiment contente. Et puis là, je m'apprêtais à quitter parce que j'ai un meeting cet après-midi avec un autre restaurant avec qui on pourrait possiblement faire des photos pour ISO. Fait que je m'en vais là, c'est dans à peu près 45 minutes, mais j'aime toujours ça partir un petit peu d'avance là, justement pour pas être en retard. Puis vu que c'est à Montréal, on sait jamais quand on peut trouver de parking. Et non! Fait que je vais quitter. Et puis j'ai mis ma petite chemise comme ça, ça fait vraiment longtemps que j'ai pas mis, puis j'aime full cette couleur-là. Je viens de revenir à la maison, le meeting a duré comme 9 minutes et puis on s'est cédulé une séance photo pour vendredi. Fait que ça c'est vraiment cool quand ça va vite de même. Et puis là c'est ça, je vais continuer à étudier un petit peu parce que faut que j'étudie. C'est tout. Il est rendu pas mal plus tard. On se dirige ce soir vers... Canadien, excuse-le, puisque je regardais Nala. On va ce soir au Canadien! Canadien! On s'en va là avec mon père, mon frère et Antoine. Yeah. Ça va être vraiment le fun. Je sais pas, ça fait combien de temps qu'on n'a pas été comme en famille. C'est notre première fois les quatre. Oh. On est parti comme 5 minutes avant la fin parce qu'on voulait éviter le trafic, mais avant qu'on parte, la game était de 6 à 3 pour les Canadiens. Fait que ça, c'est vraiment le fun, une petite victoire. Et puis, il y a eu une drôle d'affaire, là. Il y a comme des écrans géants là-bas, puis la caméra a filmé des gens. Puis Anto et moi, on s'est fait filmer devant je sais pas combien de milliers de personnes, fait que c'était ultra drôle et un petit peu malaisant. J'étais pas tant à l'aise. Mais c'était vraiment drôle, c'est très cocasse, là. Il y a plein de monde qui était comme « Ah, on vous a vu, genre, fuck! » Moi, je pense que je vais aller prendre une douche, ouais, et aller me coucher dans pas longtemps. Je suis revenue du gym, je vais me faire un petit café pour commencer à étudier pas mal bientôt. Je vais mettre ça dedans, j'ai remplacé la vanille française que j'ai terminée par celui aux noisettes. Puis j'aime ça faire changement, il est vraiment bon aussi. Ah, oh, t'as plus de nourriture? Ben là... Oui, hein. Ouais, elle miaule pas, elle. Je sais pas pourquoi elle miaulait quand elle était jeune. On pense qu'elle s'est fait donner peut-être un coup de pied par des gens ou quoi que ce soit, là. C'est triste, ça. Mais ça fait vraiment longtemps que c'est le même. Tiens! Ben oui. Je m'en vais voir Roxane ce matin qui est ma coiffeuse de Montréal. Fait que je vais mettre ses informations en barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Elle est incroyable, c'est une vraie magicienne. Fait que je pense qu'on va juste couper un petit peu mes pointes. Et puis on va refaire le même style de couleur qu'elle avait fait dedans pour enlever l'espèce de jaune qui s'est accumulé avec les semaines. Et puis mettre ça un petit peu plus vibrant. Fait que je vais aller gazer et puis je me dirige là. Puis on devrait être pas mal à l'heure. J'aime trop mes cheveux, je capote. Je parle pas trop fort parce que la femme de ménage est en haut et j'ai vraiment pas envie qu'elle m'entende. Mais ouais, j'aime vraiment ça. Dans le fond, on a fait un gloss puis on a juste ravivé la couleur. Fait qu'elle m'a dit que ma couleur c'était quartz dans le Redken.
ça peut aider quelqu'un. Je viens de recevoir un petit paquet que j'avais commandé la semaine passée de chez BH Cosmetics. Premièrement, j'ai ces petits pinceaux-là. C'est vraiment mes pinceaux abordables préférés. J'ai pris une poudre bronzante à finition satin. J'ai jamais essayé, fait que j'ai vraiment hâte de tester. Un, liquid lipstick dans une couleur nude pêche. Deux paires de faux cils, parce que je voulais voir ils ressemblaient à quoi. Et une palette à blush. Je me disais que ça allait être des couleurs vraiment très belles, même pour mettre sur les yeux. Fait que c'est vraiment le genre de couleur dans lequel je suis into ces temps-ci. J'ai passé l'après-midi à étudier et puis là, j'étais avec Anto. On s'en allait voir un appartement. J'étais comme pas sûre si j'allais vlogger, mais je me suis dit, garde, ça fait partie du processus. Au départ, on voulait acheter, je vous avais dit ça. Et puis finalement, en faisant les calculs et tout, on s'est rendu compte que moi, j'étais encore à l'école à temps plein. Je travaille pas à temps plein. Puis on aime quand même ça en profiter. On aime ça aller au resto puis se gâter. Fait que je pense pas que de se pogner des paiements qui vont prendre tout notre revenu ou presque, c'est avantageux pour nous. Fait qu'on s'est dit qu'on allait commencer peut-être avec un appartement et puis dans quelques années, on allait changer. On va aller voir ça sent à quoi. C'est un 5,5, quand même assez grand. Si on le prend, c'est sûr qu'il y aurait de la peinture à faire. C'est pas le plus luxueux, mais on voulait quelque chose de quand même assez grand, un prix relativement raisonnable. Fait que on pense que peut-être ça pourrait avoir de l'allure. Ton impression? Vraiment nice. J'ai vraiment trippé sur le propriétaire là. Ah, le propriétaire est vraiment hot. Nice. Puis l'appart, super grand. Très lumineux, beaucoup de rangement, un petit peu besoin de peinture. Air clim. Fait que. Puis en plus, il nous fait un prix spécial. Ouais, parce qu'il nous aime bien. Wouh! En tout cas, on va penser à ça, là, on s'en parle pas. Mais ça serait hot. Ouais, puis il est pas là la fin de semaine. Gros turn-up. On vient de revenir à la maison. T'es allé chercher du petit Subway. Ça fait vraiment plein de jours que j'ai envie de manger ça. Fait que c'est ce qu'on va manger. Et puis, c'est ça, on va en profiter. Je pense qu'on va juste relaxer, asseoir, travailler un petit peu sur l'ordi. Puis, prendre ça un petit peu smooth, là. Bon matin, j'allais partir pour l'école dans pas trop long. J'ai un cours ce matin et puis mon équipe et moi, on s'est dit qu'on allait arriver un petit peu plus tôt parce qu'on a un travail à faire en ligne, une simulation. Fait que on s'est dit qu'on allait faire ça avant le cours. Fait que comme ça, on n'aurait pas besoin de se rencontrer à un autre moment. Fait que je vais me préparer mon deuxième petit café parce que le premier était vraiment pas bon. C'est tellement l'histoire de ma vie, j'avais mis trop de lait. Fait que... Là, je vais le faire. Le deuxième, j'aime tout le temps se le faire avec la petite saveur supplémentaire là, de noisette. Fait que c'est ce que je vais faire. Mon stock est prêt. Et puis, je vais me diriger vers l'école. Je sais pas pourquoi, je trouve tellement que mes cheveux ce matin sont flats sur ma tête. Là. Ils ont comme pas de mouvement. Mes cheveux, quand sont propres, là, ils font tout le temps ça. C'est pour ça que j'aime ça, mettre du shampoing sec. Je trouve que ça me donne du volume puis un petit peu de quelque chose d'autre. Là. Ce matin, j'ai amené le gros ordinateur pour aller à l'école. Je fais jamais ça, sauf que je pense que ça va être quand même bénéfique parce que... Oh, je m'en allais dire que je vais pouvoir travailler, mais j'ai oublié ce que ça me prenait. Fuck! Bon, en tout cas, je vais travailler sur d'autres affaires. Puis je travaillerai sur ça en revenant. Fait que ça m'écœure un peu de me rendre à ce cours-là, pour vrai, parce que même si le prof est vraiment gentil, c'est complètement... inutile. Le livre explique super bien, fait que puis l'examen dans le fond c'est un reflet du livre là, vu que c'est un examen commun, fait que je sais pas, je trouve ça un petit peu une perte de temps, mais bon, hein, je le fais pour mon équipe parce que là ça fait deux fois que je le manque. Je viens de dîner, puis je m'apprêtais à commencer à étudier parce que j'ai des... j'ai un gros examen samedi, dimanche. J'ai un gros examen dimanche, puis il faut que je sois prête, fait que je vais passer pas mal l'après-midi à apprendre les choses par cœur. Anto vient d'arriver, il est en bas, là, je sais pas trop qu'est-ce qu'il fait. Et puis, on a d'autres photos à faire pour le gros luxe. Elle a oublié de nous en donner comme 3 ou 4, fait qu'il faut tout refaire le setup. Fait que c'est ce que je vais faire, c'est des petits chandails, là, comme la semaine passée. Je pense qu'on a 4 chandails à prendre recto verso, et puis... une casquette, fait que tu vas aller chercher la toile. On va faire ça sur fond blanc et puis je pense que je vais possiblement les retoucher là, direct après. Ça va être fini. C'est rendu pas mal plus tard, on a avancé quand même pas mal et puis là on voulait s'asseoir puis écouter OD. Tranquille, en fait c'est moi qui l'écoute puis mon chum, ben...
Il est sur son sel, puis il l'écoute d'une oreille. Je viens juste de sortir de la douche, ma peau est tellement rouge parce que j'ai frotté. That's it. Mais petit update là, sur Accutane, ça a rien fait à date. Je suis rendue comme à ma 9e journée aujourd'hui. Et puis ça commence à sécher ma peau. Là, je le sens que mes lèvres sont plus sèches et tout. Mais je sais pas si c'est plus parce que je focus là-dessus qu'autre chose. Mais en tout cas, à date, j'ai pas de poussée vraiment intense. Ça reste comme c'était avant. Fait que je vais voir ce que ça donne. Mais j'ai hâte de voir la suite des choses. Bon matin, mec. J'ai certain hier soir que vous pourriez pas dire. Mais je suis tellement tout le temps de mauvaise job à mes mains. Là, il me manque comme tout le bout. C'est terrible. Je suis en train de me préparer parce qu'aujourd'hui c'est ma grosse journée d'école. J'ai l'école jusqu'à 9h ce soir. Fait que ça va être quand même une bonne journée. J'ai pas préparé mon lunch hier finalement parce que ça me tentait vraiment pas. Je suis vraiment paresseuse. Mais là aujourd'hui j'ai vraiment beaucoup de choses à faire en plus de tous les travaux puis toute l'école. Premier cours de ce matin qui est un cours de relations de presse. On fait la révision pour l'examen dans 2 semaines. Deuxième cours aussi, le prof vient juste pour qu'on fasse une révision en classe. Puis mon équipe et moi, on s'est dit qu'on allait rester en plus après pour avancer pas mal, finir notre travail de session qu'il faut remettre lundi prochain. Et puis mon cours de ce soir aussi, c'est une révision pour l'examen de la semaine prochaine. Fait que c'est le genre de cours qu'il faut vraiment que tu sois allumé, là, parce que tu peux pas te permettre de manquer quelque chose dans un cours de révision. J'enlève mon fond de teint sur mes lèvres parce qu'on dirait que j'ai plus de lèvres. Fait que pour mon lunch, je me suis pris, je vais vous montrer ça. J'ai pris ce qu'on avait, là, rien de trop santé pour vrai. J'ai un V8, un jus Oasis, vous savez, ma bartende, fruits des champs, c'est vraiment la meilleure, je trouve, de Val Nature. Un petit yogourt nature dans lequel je vais mettre des petits fruits que j'ai fait décongeler, mais je les ai fait quasiment cuire tellement qu'ils ont trop décongelé. Mais ça, c'est un détail. Une pâte douce à la menace. un petit pudding au chocolat parce qu'il faut absolument que j'aille mon dessert à chaque repas. Et puis j'ai fait un riz aux légumes en fin de semaine et puis c'était tellement mais tellement bon. C'est juste des légumes puis du riz que j'ai fait revenir ensemble là. Délicieux puis ça prend pas de temps puis ça coûte pas trop cher. Puis je me suis pris un petit muffin aux pépites de chocolat avec mon éternel gourou. Puis je me suis fait un autre café pour la route. La mi-session, ça paraît-tu? Je me suis tellement emmitouflée ce matin, j'ai mis comme mon plus gros foulard en gel. Revenir à la maison, il est rendu 9h45. Ça a été quand même une bonne journée, mais ça a été. Ça a été une grosse journée, mais ça a été une bonne journée. On a fini plein de travaux de session, fait que ça, c'est vraiment cool. Là, j'ai la dalle. J'ai tellement faim. J'ai vraiment pas envie de me faire quelque chose. Oh, burrito! Tellement pas santé, là, mais je vais tellement me clencher ça. Mon but ultime, ça aurait été d'aller prendre un bain puis d'écouter soit Riverdale, parce que l'épisode est sorti aujourd'hui, ou la série de Jake Paul avec Shane Dawson. Sauf que mon père est allé dans le bain, fait que là, je suis comme... Je vais me démaquiller, je pense que je vais écouter, je sais pas lequel, mais je suis comme... L'épisode de Shane Dawson est genre 1h45. J'ai écouté comme une demi-heure dans mon cours parce que c'était vraiment trop plate. Et puis, ça me reste un bout. J'ai envie de me clencher les deux à soir. Je pense que c'est ça que je vais faire, même si on se lève tôt demain matin. J'ai quand même envie de le faire. Bon matin! Fait qu'on est en direct du Tim Hortons ce matin. On s'en va à Montréal. On va faire des photos pour le Lockhart, qui est un resto comme de magie Harry Potter à Montréal, qui est vraiment à côté de où est-ce qu'on a filmé le vidéoclip, là, au Saint-Jude. Fait que c'est vraiment... on connaît le coin. Et puis, c'est ça, méchante journée aujourd'hui, là. Vraiment, vraiment, vraiment une très, très grosse journée. Mais ça va être super le fun! On vient d'arriver, on commence à préparer le setup, puis on va à peu près, je pense, prendre 3 drinks puis 5 assiettes, ou l'inverse, je me souviens plus de quoi exactement. Fait que, faut que ça roule. Quand t'es prête. Mais on pourrait quand même pas se coller trop. Là,
on est dans le Vieux-Port. On va faire des photos avec Kitty Lifestyle, avec une fille cet après-midi justement au Vieux-Port. Fait que on s'est dit qu'on allait se rejoindre au café Aloha, qui est ici le café qu'on était venu un petit peu plus tôt cet été, c'est vraiment bon. Et puis qu'on allait se promener pour voir qu'est-ce qu'on allait faire. Fait qu'elle, c'est plus des shots de outfit qu'elle voulait pour son Instagram, si je ne m'abuse. Fait qu'on va y aller dans cette optique-là. Oups. On voulait 3 places au départ pour faire des photos aujourd'hui, fait que là on est rendu à la 3e place pour faire les photos. On est venu à notre classique Les Marches là, directement à côté du centre des sciences IMAX. Fait qu'on fait le dernier petit set de photos puis après ça on se dirige vers la maison. Ça s'est super bien passé, on s'est promené quand même pas mal, fait qu'on a beaucoup de shots assez différentes, ça c'est vraiment cool. Et puis là, dans le fond, je m'apprêtais à étudier. J'étais censée aller à un spectacle avec Anto et de nos amis. Finalement, j'ai dû canceller parce que j'ai encore beaucoup trop de choses à faire ce soir. C'est incroyable, la mi-session me rentre dedans. Fait que je pense que c'est ce que je vais faire en ce beau vendredi soir. Étudier, travailler et puis essayer de me coucher le plus tôt possible parce que demain c'est officiellement le retour de mon travail saisonnier. Je pense que là-dessus, je vais terminer le vlog. J'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à me mettre un pouce si vous voulez que je continue à faire ces vlogs-ci. Et n'hésitez pas non plus à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Ça me ferait vraiment, vraiment plaisir que vous restiez parmi nous. Alors, je vous remercie d'avoir écouté et puis nous, on va se revoir très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye tout le monde!